Salut à tous, il y a exactement 15 768 000 minutes, Michel Denisot ouvrait pour la première fois cette antenne. Il était loin d'imaginer que 30 ans après, un arabe présenterait cette émission. Mais que pire, qu'on allait lui confier la mission d'inviter les figures emblématiques de la chaîne pour ses 30 ans. Cette mission, je vais l'accomplir à ma façon, en les piégeant avec de la magie, mais surtout beaucoup d'humour. Vous y verrez des stars incroyables, telles que Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Will Smith, Jay-Z, les Simpsons. Bon, pas dans cette émission, mais si vous avez Canal+, c'est sûr que vous les verrez. En attendant de retrouver dans mon émission Antoine Decaune, Daphné Burki, Maïtena et plein d'autres, je vais retrouver mon pote Cécène qui nous a fait un très beau tag et que je vais terminer avec lui. Nous allons maintenant piéger les filles les plus glamour de la chaîne. Je les ai contactées pour leur vendre la co-présentation d'une grosse émission de magie à Las Vegas. Ça m'a fait tellement mal au cœur de leur faire un coup pareil. En plus, elles ont été adorables et fabuleuses. On piège qui, Cécène ? Ophélie, Daphné et Maïtena. Quand un rendez-vous business se transforme en sale histoire, ça donne ça. Et là, on leur a fait croire qu'on avait un rendez-vous avec un producteur qui était beaucoup plus haut. Et je leur ai dit qu'avec Canal, on va faire une grosse émission à Vegas. Tu fais semblant de travailler, toi aussi ? D'accord. Et après, une fois qu'on voit qu'elle pète un câble, on sort le carton d'invitation. Chelou quand même de se faire arrêter pour de faux. Même de se faire arrêter pour de vrai, c'est chelou quand même. J'ai peur qu'elles aient vraiment peur. Elle arrive. Viens. Comment vas-tu? Et toi? Ça fait plaisir de te voir, ça va? Ça va? Mais oui, et toi? Bien. C'est trop drôle. Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, moi aussi. Tu vas me raconter ton délire, là. Merci d'être venu en tous les cas. Non, pas de soucis. J'ai galéré à me garer et puis c'est plus loin que ce que je pensais parce que j'arrive de Boulogne. Hop, j'apparais. Comment vas-tu? On te la fait jamais celle-là. C'est maintenant. Donc voilà, l'idée c'est de faire. Là, on va voir les producteurs. C'est un producteur américain, il s'appelle Chris Kenner, qui est juste ici. Donc l'idée c'est de faire une spéciale autour de la magie. Donc ils ont dit voilà, ce qui serait bien c'est que ce soit Ophélie qui la présente. Et Maxime et Ariel, ils m'ont dit voilà. Parle-en à Daphné, qu'est-ce qu'elle en pense, si ça lui a la branche et tout ça. Ça peut être excellent. Bah ouais, ça peut être bien. C'est bien, non? C'est super. Moi, c'est un thème qui me fascine. Donc, si en effet, si Canal et toi-même, vous êtes tentés par l'idée que ce soit moi qui prenne les rênes de l'émission, de la présentation, j'y mets tragique. Tu veux prendre le briquet? Est-ce que tu peux examiner un morceau de papier? C'est un morceau de papier normal. Là. Tu peux l'allumer? Là. Moi, je suis avec un magicien. Bah, je suis premier à kiffer ce que je fais, c'est normal. J'adore ça. C'est le but. Non, non, j'y vais tout de suite. Attends, j'arrive. C'est juste par là. 3 ans que je fais. Mais tu veux que ce soit que sur la scène sur, par exemple, non, justement on sort, pas. Non, on cherche, non, on fait des trucs pas de du rue, tout. Attends, 30 secondes. Attends, je veux ça. Je veux ça. Et je veux ça. Mais quoi? C'est ouf ou pas? Mais, non, mais de quoi tu me parles? Mais n'importe quoi. J'en se casse, c'est jamais. Mais n'importe quoi. Non mais attends. Bien. On sait jamais bien. Mais non, je déconne, ça se fait pas. C'est du choc. C'est du choc. Là, on accélère. On sait jamais. Dans l'accélérant, on sait jamais. C'est ça qui est magique. Ben, t'es fou, quoi. C'est ouf ou pas? Oh, mais attends. Tu vois, tu prends un truc, tu le remets. Mais t'es le mec le plus honnête de la Terre. Je l'ai sorti. Non. C'est parce que je me suis dit qu'il a sorti un truc qui était pas dans la vitrine. Mais il était dans la vitrine. Ah non, t'es dans la vitrine. Moi,
raconte? C'est ouf ou pas? Mais n'importe quoi, mais c'est pas possible. Contrôle de police. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Viens ici. Donc, ce qu'on a fait, on a rien fait. Qu'est-ce qui se passe? On a rien fait. On a un rendez-vous juste à côté. Je parle pas, ta main, je te dis. On a un rendez-vous juste à côté, qu'est-ce qu'on a fait? On a rien fait. Je parle pas. Non, mais frère, vous faites erreur. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Écoute-toi, je te dis. Eh, hey, mais vous lui parlez pas comme ça, oh, oh. Détends-toi, je m'en dis. Non, mais qu'est-ce qui se passe? On a rien fait, monsieur. Mais il me sûr qu'il y a une erreur. Il y a mon sac qui traîne. Là, là. Putain. Vous allez où exactement? Allez. Vous allez où, mademoiselle? Allez, à un rendez-vous avec des producteurs pour une émission pour Canal+. Je suis journaliste et présentatrice sur Canal+. Regardez-moi, est-ce qu'on a la tête vraiment de se foutre de votre gueule? Non, vous avez l'air pas content. Ça, c'est sûr. Vous savez pourquoi? Non. C'est pourquoi vous êtes là? Parce que... Non, vas-y. Parce que quoi? Moi. Je vais fouiller. Ah, vous pouvez... Alors, regardez. Vous pouvez tout regarder. Ouvrez-moi votre sac, s'il vous plaît. Le sac. Bien sûr. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça, mademoiselle? Mais non, j'ai... C'est pas vrai, j'ai... Vous plaisantez? Regardez. C'est à vous, ça? C'est pas moi. Comment c'est pas... Non, mais attendez. C'est à vous, ça? Regardez. C'est pas moi. Je suis désolée. Je comprends rien à ce qui se passe, là. Ces bagues sont à vous, donc? C'est même pas ma taille, regardez. Vous avez parlé de voler. Et puis, en plus, où je les trouverai, ces bagues-là? Tu peux me dire? Qui vous a parlé de voler? Ben, je vous tutoie pas, madame. Je sais pas qui vous êtes. Vous voyez. Mais j'ai pas dit que vous me tutoyez. Moi, je vous vois, vous me voyez. Ah, je vous ai tutoyé? Exactement. Pardon, mais c'est dans les règles. C'est fou, vraiment tranché. Ok. Là, c'est à qui? C'est à vous? Quelle centrale? Bah, c'est à... Non, c'est pas à moi. C'est pas moi. Je suis désolée. Je comprends rien à ce qui se passe là. C'est à qui, c'est madame? C'est très très grave. Non, c'est pas c'est moi. Très très grave. Je sais pas moi. Mais je vois pas. Alors, où est-ce que je les aurais trouvés? Honnêtement, où est-ce que je les aurais trouvés? C'est la question que vous posez. La vérité, posez, je vois. Est-ce que où est-ce que... Alors peut-être que je sais pas. Où est-ce que je les aurais trouvés, madame? Sérieusement. Vous avez osé dire que c'est moi qui les ai mises dedans? Non, j'ai dit que de la même manière que vous soupçonniez que ce soit moi qui les ai mises dans mon sac, je peux également vous soupçonner vous de les avoir mises dans mon sac. Oui, mais vous êtes la police. Moi, je suis de la télé. Je suis fou à la télé. Moi aussi, je joue de la police. Vous voyez. C'est votre sac. Mais oui, c'est mon sac. Absolument, je ne veux pas vous dire le contraire. Je ne comprends rien. Non, mais attendez. Et ça? Ah, ça, c'est à moi, ça. Mais non, ça qu'est-ce qui me le prouve? Mais ça, c'est à chez qu'est-ce qui me le prouve? 4 euros. Non, mais attendez. Vous savez qu'on va aller s'expliquer, là? Oui. Il est à qui, ce sac? Il est à moi, je vous assure, mais j'ai jamais eu ça. Je suis quelqu'un. Non, mais attendez. J'ai jamais volé. Je vous jure, monsieur l'agent, j'ai pas volé. Je vous jure. Non, on n'est pas agent, on est policier. Je vous jure, madame la policière, j'ai pas voulu. Ça, c'est pas. On me la fait pas. Vous savez qu'on va vous demander des questions, vous savez qu'on va vous emmener là. Oui. Ça, vous le savez. Bah, je sais pas, emmenez-moi, mais je sais pas. Ok, je suis non, sérieuse. Tu sais ce qu'elle les a bagues dit. Sont pas à moi, monsieur. Le sac est à moi, merci. Voilà. Merci. Alors, je sais merci. Pas s'il y a autre chose. Non, mais monsieur l'agent. Non, mais c'est pas ça. Déjà, vos menottes, ça sert à rien. Et c'est juste les 30 ans de Chanel, m'a été naïve, on t'a piégé. Mais moi, je vais faire la carrière aux États-Unis. Mais c'est pas possible. T'as juste les yeux pour les 30 ans de Canal. Qu'est-ce qu'il y a, vous restez là, monsieur? Mais attendez, là, c'est juste vous bougez une pas. Caméra cachée qu'on a faite pour les 30 ans de Canal. Hey, pour les 30 ans, tout ce qu'ils nous font faire pour les 30 ans. Je m'en veux pas. Vous êtes des saints. Non, mais c'est génial, mais vous êtes où? Mais merci de m'avoir fait vivre ça. Non, c'est vrai, il n'y a pas de balance. Non, c'est vrai, personne, c'est pas une balance en tous les cas. Un jour, je ferai un braquage avec elle. Canal+, c'est aussi la chaîne du basket.